Bon matin les amis, il est 3h15, on vient de se lever, on s'en va à l'aéroport chercher... Loïc! Loïc s'en vient nous rejoindre, checker ça, on a préparé sa chambre. La chambre est toute prête pour Loïc. On décolle dans pas long. La route a super bien été, c'est des petits chemins sinueux pour commencer. Après ça, tu tombes sur la 1, direction Panama City. Pas de trafic parce qu'on est parti tôt. On est sur le Wi-Fi du Starbucks. On reste dans l'auto parce qu'on a Windy. Puis là, il y avait un truc que j'avais oublié de faire pour l'épisode. Donc, je vais le faire à l'instant parce qu'on est dimanche. Et on s'en va chercher Loïc. Donc, on n'a pas de première aujourd'hui. Et c'est ça, on travaille quand même un peu. Véronique est en train de faire les sous-titres. Puis là, elle me dit, Patrice... On n'aura plus de batterie dans pas long, mais heureusement, on a amené notre EcoFlow avec nous, il nous suit partout! On recharge l'ordi, ouais! C'est une chance qu'on l'avait! Tellement! YouTuber partout, ouais! Exact. On l'avait amené aussi pour charger la batterie de la GoPro, parce qu'il nous reste une seule batterie qui dure environ 20 minutes, donc on savait qu'on devait recharger la batterie de GoPro. Mais là, finalement, la GoPro ne fonctionne même plus. Il ne reste plus de GoPro en ce moment, donc cet épisode-là, on va le filmer avec le cellulaire. Heureusement, Loïc, il arrive avec la nouvelle GoPro 10. Ouais! Thumbs up! Ouais, le timing est parfait. Ah, ouais. Toute notre électronique, il arrivait au bout du chemin où il pouvait nous amener. Petit problème avec l'ordi. La fan, elle se met à faire plein de bruit. Des fois, j'arrive à... arrêter le bruit en faisant ça, mais... On a aussi commandé un autre ordinateur parce que celui-là... il y a quelques problèmes, là, dont la fan. Loïc est arrivé à l'aéroport de Montréal. Il attend son vol. C'est ma maman qui est avec lui. Merci, maman! Donc, il attend. Le vol est à 9h20. Donc, 8h20 pour nous. On a hâte de le voir, de le serrer dans nos bras. On s'est levé tôt, mais ça vaut la peine. Puis on attaque les magasins ouf, on va aller faire quelques petits achats en attendant. Parce que c'est juste cet après-midi qu'il atterrit. Back to civilization! Patricio! Ah, les joies d'être dans les grandes villes! Quatrième café de la journée! Quatrième café, il va avoir une méga rechute. Allô, Chubby! Allô! Ah non, mais moi aussi, je suis content de te voir, Chubby. C'est Windy qui chauffe. Elle fait bien ça. Quand c'est stop un peu, qu'elle est dure, c'est stop. Elle jouait mal la pédale. Elle jouait mal la pédale. Oh, Chubby. Attention. Memories filling up my mind and I can't seem to push him back. These times engraved my mind and I just can let it go. How did I lose the way through the things that really matter? These complications spin my mind, but I know I gotta keep pushing through. Yeah, I keep doing my own thing. Yeah, never looking back again. I can get it, I can make it. Yeah, I know it, and I'm never looking back again. Yeah, never looking back again. On est très excités de pimper Atypique 2.0. Sans l'or de Jet Set, le bateau a l'air tout nu. C'est la compagnie G-Rap à Panama City qui a imprimé le Sharpie Jet Set Art, dessiné par nul autre que Jesse Armand, bien sûr. Aussitôt que Pierre-Alexandre arrive, on attaque l'installation sur le catamaran. You wash, you clean it, and then you remove this layer. The glue. Okay. Two sides. One of the. And you spray with soap and water. And then.
Yes. Slowly, and if you have a small bubble, just pick. Just pinch it, but it could be water, so you just wait with like 2-3 days in the sun, and the bubbles are going to grow out. So okay, so we don't pinch it. You wait like 2-3 weeks, and then you can pinch it if you find something. And after I put water with soap, I put the sticker, how many times I have to just move a little bit? Well, it's big, but if you maintain the line, the water and soap, you can move a lot. Oh, yeah. Like, so like, it's one layer, 40. For one side. Uh-huh. One layer and one layer. Uh-huh. It's a pleasure. Nice to meet you, man. Thank you. And I'm never looking back again. Dans 45 minutes. Stationnement gratuit. What? Juste devant la porte, là, on était bien surpris. On va aller voir ça. Quelque chose à dire, mademoiselle? Montre-nous-le. Il est ici, le petit point vert. Ah ouais! Il arrive, Loïc! Ouais! Cool, Amy! Loïc, il va sortir de cette porte-là. On est arrivé à l'aéroport. Je veux dire un gros merci à ma maman qui est allée le porter ce matin. Merci, puis on peut lever notre chapeau à toutes les mamans de ce monde qui continuent de nous aider, même dans notre vie adulte. Gros thumbs up pour toutes les mamans, mais surtout la mienne. Wendy win. Tu es content de voir Wendy? Bon, ben on a plein de trucs dans les valises que Loïc nous ramène, mais le colis le plus important, il est là. C'est Loïc. T'as super bien été. Hey, son premier vol toute seule à 7 ans. Incroyable, deux valises avec lui. Un laptop, une GoPro, il y a du stock dans la valise. Cool, on est en direction de la vanne. On va aller explorer un peu Panama City puisqu'il reste du temps. Puis après ça, on va descendre à Linton Bay. À venir côté Pacifique, parce qu'on est côté Pacifique. On est à côté du canal de Panama. Panama City, c'est magnifique. Dire qu'on va être ici bientôt avec le bateau, on va traverser le canal avec Atypique. Delos vient de passer. Parley Revival vient de passer. C'est des chaînes YouTube super connues. On prévoit passer en avril prochain. Ouais. Fait que c'est vraiment spécial. Puis ici, il y a beaucoup de marée. On l'a vu en arrivant. Fait qu'on a bien hâte d'être côté Pacifique. On passe une belle soirée, on va aller souper. Et on explore Panama City. Full actitud, ahí, full actitud. Vamos, vamos, vamos.
de la final. Urban Fest. Eso es. Showtime. Comme vous savez les amis, on s'est levé à 3h ce matin. Il est rendu 5h. Là, on mange un petit quelque chose parce que tout le monde est affamé. La fatigue commence à se faire sentir. Puis, il reste 2 heures de route aussi après le souper. Puis, quelque chose d'original, tout cet épisode va avoir été filmé avec notre iPhone 12 Pro Max. Gracieuseté de Kevin Morris. Parce que nos GoPros ils ont rendu l'âme. Puis notre nouvelle GoPro 10 était dans les bagages à Loïc. Fait qu'on n'a pas eu le choix de filmer l'épisode au complet avec notre iPhone. Puis c'est toujours pratique d'avoir des appareils à bord extra pour prendre le relais, sinon on n'avait pas d'épisode aujourd'hui. Fait qu'on finit notre beau repas, puis on s'en va à Atypique bientôt. Bon appétit! Merci! Là, c'est de l'eau de pluie qu'on a récolté, qu'on en a beaucoup. On l'utilise pour se rincer aussi. En plus, c'est chaude. Ouais, parce qu'elle reste au soleil. Je suis certaine qu'il y a plein de gens qui se demandent comment c'est possible de prendre l'avion toute seule à 7 ans. C'est un service que les compagnies aériennes offrent. Il y a certaines compagnies qui l'offrent à partir de 4 ans même. Nous, c'était avec Copa Airlines. C'est super facile, super simple, très sécuritaire. La manière que ça fonctionne, c'est la personne qui reconduit l'enfant à l'aéroport. Dans ce cas-ci, c'était ma maman. Elle arrive à l'aéroport, elle se présente au comptoir de Copa Airlines. Sur le formulaire, elle indique qui va recevoir l'enfant à destination. Puis, il n'y a personne d'autre que cette personne-là qui peut récupérer l'enfant. Si jamais cette personne-là ne se présente pas à l'aéroport, il retourne l'enfant sur un autre vol à première place. L'enfant ne peut pas quitter avec personne d'autre que cette personne-là. Donc, c'est super sécuritaire. Puis, tu vois, ma mère est restée avec Loïc jusqu'à 30 minutes de l'embarquement. Après ça, l'enfant passe la sécurité avec le chaperon. Puis, l'enfant est le premier à embarquer dans l'avion. Donc, il assoit l'enfant dans l'avion à son banc. Puis, il assoit toujours près des hôtesses de l'air. Puis, pendant le vol, c'est les hôtesses de l'air qui s'assurent que l'enfant est correct, qu'il manque de rien. Ensuite, l'enfant est soit le premier à débarquer de l'avion ou complètement le dernier.
puis le chaperon apporte l'enfant où on était là, avec les portes qui ouvrent, où tout le monde sort, il apporte l'enfant là, puis il demande une preuve d'identité bien sûr, puis il voit aussi, j'imagine, avec la réaction de l'enfant si tout est beau là. C'est super simple, il y a un petit frais de plus sur le billet, mais ça vaut ça parce que ça m'évite de prendre un vol, moi y aller, revenir, donc c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, puis en bout de ligne ça coûte moins cher. Donc on est super impressionnés, c'est la troisième fois qu'on utilise ce service-là, deux fois avec Amy, puis une fois avec Loïc. Jusqu'à maintenant, on n'a eu que des belles expériences, donc je le recommande. Puis comment ça se passe sur ton nouveau catamaran, Loïc? Bien. Qu'est-ce que t'aimes le plus? La trampoline. La trampoline, ouais. C'est autre chose? Aussi ma chambre. Une grande chambre, hein, juste pour toi? Moi, numéro un, c'est ma chambre! Toi aussi, Amy, t'aimes ta chambre? Oui! Enfin, une vraie porte. Ouais. Puis j'aime aussi les hamacs, parce qu'on a trois. Ouais, ça c'est cool. Il y a une là, une en arrière là, puis une autre en arrière là. Exactement. Êtes-vous content de passer du temps ensemble? Oui! Ça tente de voir des nouveaux pays. Ouais. Mais je peux pas naviguer, parce que c'est long. Ah ben là, toi là, hein? Petite poule de luxe, tu vas arriver en avion. Tu veux déjà qu'on soit là? Toi, Amy? La navigation, c'est pas qu'est-ce qui me plaît le plus de la vie en bateau. Est-ce qu'on va lire un livre? Oui! Allez hop! Une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Qu'est-ce que tu fais là, Véronique? Je coupe les cheveux au micro. Pourquoi tu fais une coupe de cheveux au micro? Parce que c'est notre nouveau setup de GoPro, puis là, c'est notre nouveau micro, puis on vient de tout placer, puis là, on voyait les cheveux du micro. On veut placer pour pas voir les cheveux du micro, parce que sinon, ça nous fait qu'il faut cropper l'image à chaque fois, puis c'est beaucoup de travail. Nice. Okay, je coupe les cheveux. Good. C'est la première journée que Louis est à bord, puis il a ramené tout ça dans sa valise. On va avoir du meilleur son et de meilleure qualité vidéo pour les vidéos qu'on vous fait. Ça, c'est un micro deux côtés, donc pour la personne qui est en arrière et pour la personne qui est devant. On a la GoPro 10 qui a aussi un micro, donc si jamais lui ne fonctionne plus, on a un backup. On a notre lumière, ça c'est pas nouveau, là, c'est un de nos Patreons qui nous avait procuré la lumière il y a quelques mois. Super pratique parce qu'on peut mettre la GoPro vite faite quelque part, comme ça, c'est super solide. On a un nouvel ordinateur HP Spectre. Pourquoi on en a acheté un autre? C'est un parce qu'on avait un pour les deux, donc ça nous prend un ordi chaque. Puis l'autre, il a besoin d'une réparation, mais là, on peut pas faire réparer le laptop tant qu'on n'en a pas un autre. Si jamais il ne fonctionne plus, ben là, on peut plus faire de montage. Si on a un deuxième, on va pouvoir envoyer l'autre en réparation maintenant qu'on a lui. Puis nos super écouteurs, ça bloque le son, pas le montage. Puis pour les oreilles, qu'est-ce que ça fait? C'est pas sûr, les oreilles. Parce que les autres qu'on avait, qui sont toutes finies, là, ils étaient sur les oreilles, donc ça faisait que nos oreilles devenaient engourdies après quelques heures. Là. Fait que ça, tu peux travailler avec toute la journée si tu veux, puis t'auras jamais mal aux oreilles. Cool! Fait qu'on est équipé, c'est Noël, sera typique! Ouais. Plus des batteries de GoPro. Parce que là, on était rendu avec une seule batterie de GoPro, c'est l'enfer. Là. Ouais, fait là, que. On va aller vous monter ça, on a un épisode à monter justement! Mais voyons, ils sont où les enfants? Amy, tu es en dedans? Non, elle est pas là. Mais où est-ce qu'ils sont? Si. Oui, je m'assois, maman. Si. Je cherche les enfants. Ah si. Bon, allez, je m'assois. Mais où sont-ils? Ah! La voilà, Amy! Mais qu'est-ce qu'elle fait avec la nouille? Ah, ils vont sauter à l'eau! Ouais, bonne idée! Mais on va sauter comme avant. Amy, attention, pas glisser, c'est super glissant! Attention, allez-y, à un, deux... 3, sautez! Ouais!